Salut et bonne année à toi. Bon, là, faut qu'on parle de plein de choses là, plein de petits projets, plein de trucs. Oh là là, il m'est arrivé des galères aussi. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont apprécié les vidéos, à vous remercier tous, un par un, parce que voilà, j'ai sorti plein de vidéos pendant ces vacances, enfin les vacances de décembre à janvier. Donc merci beaucoup pour vos retours. Vous avez apprécié le contenu, vous avez liké et tout. Il y en a qui ont même partagé. Donc merci beaucoup, merci du soutien. Et à l'heure où je te parle là, bon, on est déjà en janvier, on est... Voilà, ça que je te dis bonne année. J'ai sorti des vidéos avant, mais je les avais tournées bien avant, avant janvier. Par exemple, la vidéo qui est sortie sur les pecs, j'avais faite pendant les vacances. Donc là, c'est la première vidéo que je fais de l'année. Alors, pendant ces vacances-là, les vacances de Noël, tu vois, il m'est arrivé des galères. J'ai même pas pu tricher pendant ces vacances-là. J'ai même pas pu manger. J'avais le combo parfait, ultime. Fièvre, grippe, mal de tête. J'avais tout. J'ai même des nausées. Et là, j'ai eu le pack complet, tu vois. J'ai tout eu. J'ai eu l'édition collector du malade. Confirmé. J'étais cloué au lit, je bougeais pas. Je regardais la télé, des séries, nanana. Et voilà, j'étais HS, mais vraiment HS. Pendant le 25 décembre, hein, tu vois. 25 décembre, ça veut dire j'ai mangé très peu. J'étais mort. J'étais mort. Et j'ai perdu du poids. Donc là, tu vois, même le moral, là, il a dit, eh, c'est bon. C'est bon. Et ce qui me tue, c'est que pendant ce temps-là, j'étais en train de poster des vidéos parce que j'ai fait mes vidéos bien à l'avance. Je postais des vidéos, il y a une vidéo où j'ai dit, faites attention, lavez-vous bien les mains et tout, il fait froid dehors, couvrez-vous bien. Tu vois, moi, je disais des conseils que j'appliquais même pas. Et au final, voilà, je suis tombé malade à cause de ça. Et là, tu vois, là, j'ai deux pulls sur moi. Je suis pas malade, je suis bien, mais j'ai deux pulls sur moi. Même là, à la maison, je suis couvert, comme jamais. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un bonnet là. Donc, voilà. Là, je me monnaie, et là, j'ai peur, là. Je suis tombé malade une fois, j'ai perdu 2,85 kilos. Les 85, c'est très important. J'ai perdu 2,85 kilos. Quand tu arrives à la salle, tu vois, hey, le moral, il est bas. Tes perfs, c'est plus les mêmes. Tu reviens comme si tu étais nouveau. À la salle, hey, j'ai fait une séance. Hey, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Déjà, ça faisait une semaine que je pouvais pas aller. Parce que j'étais mort, j'étais faible, je pouvais pas manger. Et quand tu manges pas et tu vas à la salle, ça sert à rien. C'est comme si tu allais à la guerre sans armes. Tu vas à la guerre avec un lance-pierre mais sans pierre. Tu vois, ça sert à rien. Donc j'ai dû me reposer un peu pour bien récupérer. Et après, je suis allé à la salle avec mon gars Jojo. On s'est fait une petite séance reprise des fêtes, si tu veux. C'est une petite séance spec qui va sortir après la vidéo que tu vois là. Et puis voilà, on a repris tranquillement l'entraînement. Une semaine où on n'a pas filmé. On s'est vraiment fait une semaine de salle normale et intense, histoire de bien reprendre, d'être bien concentré, de ne pas avoir la caméra en main et tout. Et voilà, hein, voilà tout simplement. Là, on va parler des objectifs 2019, les vidéos qui vont arriver pour 2019, cette année-ci. Alors, déjà, au niveau vidéo. Déjà, il y a cette vidéo-là, enfin, qui va sortir. Là, je vais te montrer une vidéo que j'avais fait juste avant les fêtes, hein, parce que je l'avais fait en avance. Mais comme je suis tombé malade et tout, je pouvais pas parler avant et tout. Donc, je vais te la montrer là. Il y a la vidéo de la reprise que je vais te montrer. La reprise en muscu, là. La reprise des fêtes. Et juste après, là, ça a des vidéos programme en musculation. Le programme que je fais. Ou le programme qu'on fait avec Jojo. Mais là, ce sera des vidéos un peu plus détaillées. Parce que, tu vois, dans les anciennes vidéos, je te montrais juste ce qu'on faisait. Je te disais rien. Mais là, je vais voir comment je vais procéder. Mais je vais essayer de t'expliquer un maximum ce qu'on fait. T'écrire aussi ce qu'on fait niveau série, répétition, pour t'aider et te motiver au maximum. Parce que là, voilà, là, c'était juste un peu pour tester le matériel que j'ai. Parce que comme tu vois, la qualité, c'est plus la même. Elle est plus haute. Et c'est pour t'apporter un meilleur contenu aussi. Objectif physique, ça change pas. Moi, je vais être un camion, c'est tout. Tu vois, moi, je vais pas aller plus loin. Je vais être un camion, voilà. Tu vois, un camion naturel, attention. Parce que, tu vois,
dans les salles de sport, on voit des camions qui sont pas naturels. Et moi, c'est pas ça que je veux. Du moins, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais aussi faire grandir la chaîne et créer une bonne petite communauté d'entraide et de soutien sportif. Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour moi. Parce que le sport, si tu veux, tout le monde est en contradiction. Deux coachs qui sont d'accord en sport, c'est compliqué. Et on aura forcément un des deux qui aura un truc à dire. Moi, avec tous les coachs que j'ai parlé, mes entraînements, il y en a, ils ne sont pas convaincus. Après, même si je ne suis pas coach, hein, moi je suis quelqu'un qui kiffe la musculation, qui a suivi beaucoup de conseils, beaucoup de programmes, et qui s'est fait son propre programme et son propre chemin. Et maintenant, je motive seulement et je montre ce que je fais. C'est tout, je vais pas plus loin. Mais il y en a beaucoup qui me disent, ouais, ce que je fais, c'est pas adapté pour moi, ou c'est pas bien pour prendre du muscle, c'est pas bien pour sécher, c'est pas bien pour perdre. Même si que je leur dis, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, grâce à ça, j'ai des résultats. Je leur montre avant, après, ouais, mais c'est ta morphologie, ou c'est ça, c'est... Tu vois, il y a toujours une excuse. Si je fais pas ce que lui dit, c'est pas bon. Et ça, tu vois, malheureusement, il y a des gens comme ça partout. Et moi, ce que je veux, tu vois, c'est arrêter tout ça là et seulement former une communauté où on se soutient, on dit ce qu'on fait et on s'encourage à avancer, c'est tout. Donc voilà pour ces objectifs de 2019. Du coup, là, je vais te laisser avec la vidéo du training dos que j'ai fait avant les fêtes, là où j'étais encore bien, où j'étais encore frais et que j'ai pas perdu du poids suite à ma PLS que je me suis pris, là, le pack complet de la maladie. Sur ce, si t'as aimé cette vidéo et toutes les vidéos que j'avais fait de training avec mon gars Jo, je t'invite à mettre un like. C'est très important. Mets un like, mets un commentaire. Si tu veux voir des programmes particuliers, comme par exemple mes trapèzes qui sont un point fort, ou alors une destruction des bras, dis-le moi en commentaire. Si tu veux vraiment un muscle particulier, ne dis pas les jambes, sinon on va pas s'entendre en commentaire. Sinon, mon gars Jojo, là, il va s'amuser, lui. Parce que lui, les jambes, lui, c'est un de ses points forts, lui. Mais moi, quand je fais les jambes, je pleure. Tu l'as vu dans la vidéo jambes, d'ailleurs. Là, je pourrais rien dire sur les jambes, là. Après, voilà, tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et bienvenue et merci à tous les nouveaux qui sont abonnés. Parce que quand j'ai fait cette semaine de vidéos, parce que ouais, j'ai sorti les vidéos pendant une semaine à peu près. Donc j'ai eu plein de gens qui sont abonnés, merci à vous. Les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont donné de la force. Merci à vous tous. Et je compte continuer à aller encore plus loin. Et puis voilà, on va apporter le meilleur contenu possible et m'améliorer. Parce que là, j'estime avoir fait beaucoup de quantité, mais pas avoir fait une bonne qualité de vidéo. Et dans les programmes qui vont venir, là, on va plutôt privilégier la qualité que la quantité. Donc voilà. Sur ce, je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Say you win.
Thank you.